Thank you.
les écoles, liberté. Plus de protocole, liberté. Ta main dans la mienne, on sera les mêmes que notre avenir. Liberté, parce que c'est un choix. Liberté, parce que c'est un droit. Liberté, on vous sent à nous. On a décidé en réunion de continuer à les aider, même s'ils travaillent 3-4 mois. Voilà, donc on continue à leur donner des fonds tous les mois et les aider. Sur les jeux de hasard, qui disait que 100% des gagnants avaient acheté un billet. Elle était bonne cette publicité. Dit autrement, si on essaye de vous vendre un billet perdant à 98%, peut-être ne l'achèterez-vous pas. Comme notre journée, tout le monde papote, bon, pas grave. Écoutez, tout, mais c'est aussi pour les gens qui passent. Notre journée était celle des effets indésirables, mais avant de vous parler des effets indésirables des vaccins, petit tour de piste mathématique. Sur le numérateur du ratio de ce qu'on appelle les bénéfices risques, en fait les billets gagnants, à 95% d'efficacité dont on nous parle. Cela veut-il dire que 100% de personnes vaccinées à 95% seront protégées et que 100% des non-vaccinés seront malades? Non, c'est pas du tout ça. On nous a vendu le 95 quand nous nous vendait le 100%. En fait, ce chiffre rappelle la réduction du risque relatif, mais ne précise pas quelle est la réduction du risque global par la vaccination. Or, c'est ce qui nous intéresse. Dans les essais cliniques de Pfizer, 8 personnes des 18 198 vaccinées ont eu le Covid. 8 personnes sur 18 000. Et 162 dans le groupe placebo. Où elles étaient, de 18 325 personnes. Le 95% qu'on nous a vendu est expliqué par la distance, du moins la réduction, souvenez-vous du chiffre, 8 personnes et 162 personnes, 8 personnes dans le lot vacciné, 162 personnes dans le lot placebo. Donc la réduction de 162 à 8, c'est-à-dire 162 moins 8 égale 154, et 154 divisé par 162 égale le fameux 95%. Le vrai calcul, c'est pas celui-là. Le vrai calcul devrait être le risque absolu de ne pas avoir le Covid. Ainsi, le pourcentage de chance d'avoir le Covid en étant vacciné est de nos fameux 8 divisé par 18 198, soit 0,04% de chance d'attraper le Covid dans le lot vacciné. Pour le groupe placebo, on avait donc plus de gens qui avaient attrapé le Covid, 162 divisé par 18 325 égale, et c'est le risque absolu, 0,88%. Le bénéfice net qui permet de prendre des décisions, est-ce que je vais me faire vacciner ou pas, etc., quel est le risque, quel âge j'ai, est-ce que je suis gros, petit, maigre, en bonne santé, malade, etc. Le bénéfice net du vaccin était donc dans les essais cliniques de Pfizer de 0,88 moins 0,04, c'est-à-dire le bénéfice net est de 0,84%. Alors, est-ce que vous allez acheter un billet de la Loterie Nationale, spéciale journée de la santé publique, sur ce niveau d'avantage? Peut-être que oui, finalement, si le dénominateur est égal à 0, ou du moins s'il est inférieur à 0,84. Je pense que vous aurez retenu quelque chose, quelques chiffres.
Alors, c'est un bouche. Non, j'arrive pas à lire. Justement, de ces dominateurs, c'est-à-dire. Parlons justement de ce dénominateur, c'est-à-dire des risques que sont les effets indésirables. Nous vous présenterons plusieurs fois différents résultats et nous vous lirons les effets indésirables que l'on trouve. Alors je pense que tout le monde l'a regardé, que l'on trouve dans l'annexe des essais de Pfizer, qui sont sortis comme ça du chapeau du magicien et qui étaient restés un petit peu coincés au bas d'un escalier. Petit aparté, bien entendu, tous les chiffres donnés des effets posent le problème de leur imputabilité. Restons quand même scientifiques. A contrario, les chiffres dont on dispose souffrent d'une sous-déclaration difficile à quantifier quand on connaît les réticences de certains professionnels de santé de devoir déclarer dans les organismes de vigilance les différents cas de leurs patients. Commençons par l'Europe et les chiffres de sa pharmacovigilance. Au 1er janvier 2022, 36 274 décès, c'est l'ensemble de l'Europe, il doit y avoir un ou deux pays en plus, et 3 542 576 effets secondaires. Ce texte, je l'ai appelé « Faillite de la pensée, où sont passés les intellectuels ?» Le silence des intellectuels dans cette crise mondiale nous laisse glacés d'effroi. Ils ont déserté la bataille intellectuelle au moment où nous en avions le plus besoin. Il s'agit là de haute trahison. C'est l'abandon de toute pensée critique en rase campagne, campagne ravagée par les tirs d'obus obscurantistes, d'anticomplotisme et les missiles antipopulistes. Car de la même manière que derrière l'injure infamante de populiste, on a oublié ou tenté de faire oublier que les peuples existent, et que derrière l'injure encore plus dégradante de complotiste, on a tenté de nous faire croire qu'il n'y avait pas de complot. Où sont-ils ces intellectuels qui ne sont plus capables de dénoncer ces réunions secrètes appelées tricontinentales, groupe Bilderberg, forum de Davos? Est-ce que ce sont les complotistes qui ont inventé de toutes pièces ces workshops, on dit ateliers aussi, ou les comploteurs? Est-ce que ces lieux où les hommes les plus riches du monde échangent leurs idées, qui resteront confidentielles et secrètes pour le développement de leurs richesses et de leur position dominante, ont été inventés par les médiocres complotistes que nous sommes, ou sont-elles les bases de l'organisation des complots contre les peuples? Quels sont ces échanges d'idées libres et secrètes entre les grands financiers, les grands industriels, les magnats de la presse et les hommes politiques? Pourtant, ces derniers sont censés conduire nos pays dans l'intérêt de leur peuple, tous réunis en grand secret. Avez-vous vu les nouvelles affiches électorales de Macron? Macron avec vous. Avec nous ou contre nous? Lui qui a liquidé personnellement à la grande braderie internationale des fleurons technologiques de l'industrie française comme Alstom, General Electric, avec des dizaines de milliers d'emplois perdus à la clé, et nous privant aussi ainsi des pièces de rechange indispensables pour notre production et indépendance énergétique. Ils sont peut-être 200 parmi les plus riches du monde, les 10 plus riches, dont une famille française, Bernard Arnault, qui possèdent à eux 10 une fortune équivalente au PIB de l'Australie, à penser tellement imbus d'eux-mêmes et de leurs possessions qu'ils croient peut-être que leurs astuces et combines pour s'enrichir seraient un brevet de légitimité officielle pour régler à leur volonté le sort du monde et de sa population. L'équation pour eux est simple, et Klaus Schwab et Bill Gates l'ont écrit: la solution contre la pollution et le réchauffement climatique ne peut passer que par la décroissance de la population mondiale. Comment faire pour la faire décroître? Dans leurs ateliers de réflexion, nous pouvons penser qu'ils ont évoqué des dizaines de scénarios ouverts, remplaçables, combinables. La pandémie est un de ces scénarios. La guerre entre les peuples et contre les peuples, si jamais ils ne voulaient plus y participer, en est un autre.
C'est ce que nous, les peuples du monde, vivons aujourd'hui, plus ou moins, vivons aujourd'hui. D'autres scénarios, déjà plus ou moins élaborés, plus ou moins prêts, viendront au travers de la numérisation de la population mondiale, de son contrôle informatique et des folies transgéniques et transhumanistes, comme décrites chez Huxley, Orwell et même Boris Vian dans son roman policier, et on tuera tous les affreux. Ils ont de l'imagination et des compétences externes qu'ils savent rémunérer. Regardez comment notre grand penseur, soi-disant secrétaire de Paul Ricoeur, mais simplement secrétaire, Macron, sait rémunérer le cabinet McKinsey quand son intelligence est en panne d'idées. À voir combien de fois il leur a fait appel, il faut penser qu'elle est souvent en panne, ou alors qu'il a autre chose à faire de plus amusant. Quand il faut, et au gré des circonstances, et des opportunités qu'ils trouveront sur leur chemin. Comme Ravachol, leur slogan est « Nous prendrons tous les moyens, même légaux ». Et ne dites pas que ce que je vous dis sont des élucubrations de complotistes. Non, ils ont écrit leur programme. Klaus Schwab, dans son livre sur la grande réinitialisation, écrit en 2020 au début de la pandémie, dont ils se réjouissaient. Bill Gates, qui se désolait que la pandémie avait mieux vacciné la population que ces vaccins. Mais où sont-ils, ces intellectuels, qui auraient dû dénoncer tout cela, être en avant-garde de la réflexion constructive? Où sont les Sartre, les Camus, les Bourdieu, les Janson, Simone Veil, la philosophe, pas l'homme politique, Anna Arendt? Ceux-là sont morts. Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu de relève? Ce sera donc à nous de le faire. C'est notre devoir. Nous allons donc, nous aussi, comploter contre eux, pour les empêcher de nuire plus avant. Les prémices de la philosophie de Descartes, qui est, dit-on, la base de la pensée française du siècle des Lumières, est « cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Ils auraient voulu que nous ne pensions plus pour que nous ne soyons plus rien. Nous reprendrons les choses en main. Nous pensons à leur grand émoi. Organisons-nous, c'est notre devoir, pour prendre en main notre destinée, notre organisation représentative, notre démocratie, pour un nouveau monde. Ce qui se passera en France, et je dis cela sans chauvinisme, influencera les peuples du monde. Il y a dans notre peuple et dans notre histoire le pire et le meilleur. Et si vous avez un peu voyagé, vous le savez, les peuples du monde attendent de nous le meilleur. Comme dans un jeu de dominos, il faut que quelque part, à un moment donné, les choses se renversent. Nous avons la possibilité ici de le faire. Maintenant, le ministre de la Santé, Olivier Véran, le plus souvent surnommé le Véreux. Lorsque le 16 février 2020, il a remplacé Agnès Buzyn, il avait déjà sévi à l'hôpital en faisant voter à l'Assemblée une loi de finances impliquant à celui-ci de graves coupes budgétaires. Au cours de la gestion de la pseudo-pandémie, il a tout promis et son contraire. Masques FFP2 pour tous les soignants, équipement de respirateurs, ouverture de lits de réanimation et bien d'autres. Mais jamais personne n'a rien vu arriver, bien entendu. Bien au contraire, puisque des lits pendant cette période ont été fermés et le matériel promis n'est jamais arrivé. Puis, ça a été l'encensement des personnels hospitaliers, avec des applaudissements aux fenêtres tous les soirs à 20h, rappelez-vous. À ce moment, les médecins référents de famille ont été interdits de prescrire des médicaments à faible coût, naturellement. Les malades devaient appeler le 15, prendre du Doliprane, et oui, ma pauvre dame, c'est comme ça, et se rendre aux urgences lorsqu'ils étaient gravement malades. Services de réanimation pondés, EHPAD d'interdit d'accès, transfert de malades en TGV, en hélicoptère. Et pendant ce temps, les hôpitaux privés étaient déserts, dans un décompte des morts qui avait lieu chaque soir à la télé. Les stocks de masques étaient largement suffisants, avait-il dit, mais n'étaient plus utiles. Et d'ailleurs, on ne savait même pas les utiliser, pourquoi en mettre.
Mais en fait, les stocks avaient été détruits quelque temps auparavant. Nous avons également vécu des périodes de confinement, déconfinement, fermeture des écoles, couvre-feu, obligation de port de masque, aussi et surtout pour les enfants qui perdent une partie de leur apprentissage, enfin, etc. Tout cela est destiné à apeurer et à servir la population. Puis est arrivé le pseudo-vaccin, pour qui le voulait. Ensuite, même pour ceux qui ne le voulaient pas, bien sûr, avec des doses à répétition, puis obligation déguisée avec le pass sanitaire, puis vaccinal, suspension des personnels qui ne disposent pas, soignants, pompiers, gendarmes, militaires, etc., les laissant, et c'est le comble, sans ressources aucune. Sans parler de l'interdiction d'accès aux soins médicaux, aux restaurants, aux théâtres, aux salles de sport, pour qui ne voulait pas du vaccin. Bref, nous avons vécu et vivons une période de discrimination, de privation de liberté, d'apartheid, de mensonges. De fausses informations exceptionnelles, n'ayant rien à envier aux plus sombres périodes de notre histoire. Avec l'arrivée de la campagne électorale, si toutefois on peut la nommer ainsi, et la levée, non pas l'abrogation de certaines mesures liberticides, Véreux a encore sévi. Pour justifier, et c'est là que c'est intéressant, ces mesures auprès de certains journalistes zélés des médias corrompus, il a affirmé que ces dernières semaines, il n'y avait pas en France plus de contamination qu'en Italie ou en Allemagne, qui conservent toujours les mesures liberticides. C'est donc bien la preuve apportée par lui-même de l'inefficacité de toutes les mesures abjectes qui nous sont imposées. De plus, il semble, d'après de sérieuses études médicales américaines et anglaises, que les personnes développant des formes les plus graves de la maladie sont les personnes les plus vaccinées et que la balance bénéfice-risque de la vaccination soit plutôt en faveur du risque que du bénéfice. En France, environ 35 000 soignants ont été suspendus pour refus de vaccin. Et vous avez sans doute, comme moi, vu la pub à la télé dans laquelle le ministère de la Santé a lancé une campagne de recrutement. C'est un comble. Pourquoi ne pas commencer par réintégrer les personnels suspendus, opérationnels dès leur arrivée, sans nécessité de formation? Voilà pourquoi, chers amis et résistants, il nous faut nous débarrasser de cette mafia gouvernementale avec à son actif d'innombrables scandales en passe d'être mis à jour. Pour ce faire, et dans le but d'éliminer le Macron dès le premier tour des élections, allons accomplir notre devoir de citoyen le 10 avril en votant massivement, même si les sondages falsifiés le donnent à plus de 30%, ceci dans le but de provoquer l'abstention. Ne tombons pas dans leur nouveau piège et écartons ces sinistres individus de notre vie quotidienne. Vive la démocratie et vive la France! Son fils ne subisse pas cette maltraitance, elle a donc décidé de le retirer de l'école et de lui faire l'instruction en famille. J'ai perdu. De faire l'instruction en famille. Sa fille, malheureusement, qui était en seconde, a dû continuer d'aller au lycée où elle a subi à plusieurs reprises des rappels à l'ordre, notamment un jour où, dans un couloir, elle a enlevé son masque le temps de boire à sa bouteille. On l'a sommée de le remettre avant même qu'elle n'ait pu boire.
Durant ces 18 mois, ça n'a pas toujours été facile, car l'instruction en famille demande du temps, de la pédagogie et de la patience. Mais cette maman a tenu bon pour donner le meilleur à son fils. Une bonne étoile a permis au papa d'obtenir un changement de poste qui compense financièrement les missions d'intérim que la maman faisait. Et ce changement de poste a aussi permis d'apporter un confort de vie à cette réorganisation. Et leurs efforts ont payé, car leur fiston, qui avait des difficultés dans le système scolaire classique, a, aux dernières évaluations de février dernier, obtenu un niveau de CM2, alors qu'il n'est qu'en CM1. Il a aussi passé une évaluation très poussée avec une conseillère pédagogique. Quant à sa maman, elle a passé un contrôle d'une inspectrice d'académie. Elle a dû être ferme et déterminée devant l'insistance de cette personne qui essayait de la convaincre de remettre son fils à l'école. Ils ont reçu récemment l'aval pour continuer l'IEF en septembre. Mais cette maman se sent extrêmement seule et a peur de craquer. Il faut dire que leur entourage, famille, amis, voisins, sont tous injectés et ne comprennent absolument pas leur choix. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler d'Odile, de son conjoint et de ses enfants, cette famille dont j'admire le courage et la détermination et dont on ne parle pas assez, toutes ces familles. Alors, si vous aussi, vous êtes dans une situation similaire, n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous mette en contact avec cette famille et qu'ensemble, vous ayez plus de force et d'énergie et pourquoi pas, créer de nouvelles amitiés. Merci pour eux.